Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous faire le déballage rapide du Tecno Camon 12. Après le déballage du Tecno Camon 12 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec le Tecno Camon 12 et le design a été très bien fait. Donc, nous allons faire le déballage pour vous montrer ce qu'on peut trouver bien à l'intérieur de ce super smartphone comme vous pouvez le voir ici. Je suis Aboukam du site aboukam.net, votre média 100% digital. Avant de commencer, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci. On est fait le déballage. On est à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, donc on va ouvrir. Le téléphone est évidemment bien présenté. Voilà. Dès qu'on ouvre, on a juste le téléphone que vous avez ici. Voilà. Voilà. On a le téléphone. On va prendre. Voilà. Donc, vous avez le téléphone qui est là. On va le déposer là. On va continuer avec ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc, voilà. On a d'abord l'écouteur. Ensuite, le câble du chargeur et le chargeur directement. Bon, ça, c'est la fiche pour l'étiquette que vous trouvez. Donc, on va mettre tout ça à côté. Dans ces pochettes, on va voir ensemble. Voilà, en même temps, les tics. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, voilà la pince pour éjecter la pisse. Voilà. Donc on continue les manières d'utilisation du Camon 12, voilà comme vous pouvez le voir. Donc on continue. Et c'est la fiche de garantie pour 12 mois plus 1. À ce niveau, on a la une coque de protection qui est en plastique, comme vous pouvez le voir. On a l'habitude de voir ces gens. On passe, donc ensuite on n'a plus rien encore. Voilà. Ensuite, on a l'écran, voilà, pour protéger l'écran des égratignures. Donc, on a, voilà. Donc, voilà tout ce que vous pouvez avoir à l'intérieur du Camon 12 lorsque vous payez. Nous allons nous intéresser au téléphone lui-même qui est là. Voilà. On va allumer le téléphone. Ensuite, vous avez, on va enlever, on a. Ouvrir pour voir ensuite. Donc vous avez ce téléphone qui est vraiment, on a l'écran qui embarque la caméra frontale à bout d'eau. On a le micro juste en haut. Sur le côté, on a le tiroir de la puce que nous allons voir. Voilà, à ce niveau, on a le tiroir de la puce. Voilà, ensuite on continue. Dans le bas, on a le port du chargeur, le port de l'écouteur et le microphone à côté. Sur le côté ici, on a le bouton d'allumage et le bouton de volume. Au dos du téléphone, on a le capteur d'empreinte digitale qui est là. On a les trois caméras qui sont alignées, 16 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels. Ensuite, on a flash qui l'accompagne. On a le canon qui est inscrit derrière, donc on va enlever celui-là encore élégamment. Donc maintenant nous allons allumer le téléphone pour vous donner une idée de ce que ça démarre. Voilà, il a fini de démarrer le Camon 12 qui ressemble un peu plus au, on va mettre en français et faire la prise en main rapide. Commencer, ignorer cette étape. On va ignorer toute cette étape pour aller très très vite. Voilà, modification après. Ensuite, on va tester la reconnaissance faciale, le schéma. Voilà, donc comme c'est le 12, on va mettre le Camon. Voilà, pour juste tester. Donc on confirme juste le coup. On va tester ensuite la reconnaissance faciale du téléphone.
Voilà, c'est passé. Donc, on continue avec le système de l'empreinte digitale. Voilà. Voilà, on va insérer juste. Voilà. On continue la prise en main du command. Voilà. Voilà. On fait suivant. Voilà. On valide ici. On accepte les conditions d'utilisation. Ensuite, il y a des consignes d'utilisation du téléphone. Basé sur Android 9, voilà. Ce signal montre que le Canon 12 a fini de démarrer correctement. Vraiment, on va juste vérifier les caractéristiques techniques du téléphone. Voilà. Donc, comme caractéristiques techniques, vous pouvez voir les 4 Go de RAM, 64 Go d'espace. Disque 16 mégapixels pour la caméra frontale, 2 mégapixels, 16 mégapixels, 2 mégapixels et 8 mégapixels pour les 3 caméras arrière. On a 2 gigahertz de processeur octa-core, 4000 mAh, ce qui dépasse le Canon 12 Pro. On a au niveau de l'écran, on a 720 600, ce qui n'est pas mal. Ensuite, le téléphone tourne sur Android Pie, ce qui est aussi intéressant et compatible réseau 4G. Donc, vous avez vu comment le téléphone est beau. Voilà, nous allons tester ce téléphone pour vous faire un retour d'expérience dans quelques jours. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur les high-tech. Et merci, au revoir.